C'est dans le lycée privé catholique Mon Plaisir, d'enseignement professionnel technologique et supérieur, que Mistral TV a été invité à l'occasion de leur journée Portes ouvertes. Allons à la découverte des lieux et équipes de ce lycée qui accueille toute personne, quel que soit son milieu social, ses convictions philosophiques et son appartenance religieuse. Et savourons les chants de leur chorale Mon Plaisir Gospel Singer dans la chapelle du lycée. Ben, c'est un événement que l'on reproduit d'année en année depuis 1984. Je sais qu'on a été le premier sur la ville de Valence à pouvoir rentrer dans ce type de manifestation. Depuis, on a été beaucoup copié, et tant mieux. Moi, je dis tant mieux parce que l'intérêt, c'est quand même que les élèves trouvent sur place réponse à leurs questionnements d'orientation. Donc, essentiellement, c'est fait pour... Quand on a envie d'ouvrir les portes, c'est qu'on se sent bien chez soi, c'est qu'on a envie de créer des liens avec des personnes qu'on ne connaît pas et de répondre à leurs questionnements. Chez nous, c'est notamment tout ce qui est donc formation et réponse à des orientations précises dans nos champs de compétences. Voilà. Et je suis aidé pour ça par toute une équipe. Hein, donc, Madame Tseng, qui est en responsabilité de tout ce qui est le lycée professionnel. Le lycée Mon Plaisir, c'est un lycée professionnel technologique avec donc de l'enseignement supérieur et un centre de formation professionnelle. Donc, ça nous fait 4 entités et au total, nous accueillons à peu près 1400 élèves. Voilà, 1400 jeunes qui chaque année viennent pour acquérir une formation professionnelle et poursuivre sur du supérieur. Donc sur le lycée professionnel, on a toutes les sections commerce. Nous avons la section gestion-administration, la section logistique, voilà, qui est derrière nous et qu'on va aller visiter. Et puis la nouvelle section communication visuelle plurimédia. Sur le lycée technologique, on est orienté sur du sanitaire et social, sur du management et de la gestion, donc STMG, et puis les arts appliqués. Dans l'enseignement supérieur, donc, on a un site ici avec les BTS tertiaires, et le centre de formation professionnelle avec des BTS en alternance. Et à l'ISTM, donc boulevard La Femasse, nous avons les sections paramédicales, les classes préparatoires HEC technologique, et puis le DCG, donc diplôme de comptabilité générale. Voilà, pour l'ensemble des sections qui sont dans le lycée Mon Plaisir. L'idée ici, c'est vraiment que tout le monde trouve satisfaction, que ce soit le personnel, les professeurs et les élèves. Et maintenant, vous allez nous présenter la section logistique. Donc la section logistique, qui est une section, une des rares dont on est sûr qu'à la sortie, on a du travail. La logistique, c'est tout ce qui concerne donc, la gestion des stocks, le transport, l'acheminement, bien sûr, et puis donc, la préparation des commandes, etc. C'est plus de 60 métiers, la logistique. La région Rhône-Alpes est particulièrement bien située et donc on a des collaborations avec des grandes entreprises comme Skipper, Leroy Merlin, etc. Et donc là, ce que vous voyez en fait, donc je vais vous présenter le travail. Là, on a des images de Amazon que les jeunes donc, de BTS sont allés visiter il y a 2 ans. Donc c'est toute la nouvelle plateforme et on voit les différents métiers qui régissent, qu'on peut trouver en logistique. Voilà. Également là, les jeunes se sont déplacés pour aller visiter le CITRAD, hein, puisque là aussi, on est sur de l'organisationnel et c'est vraiment le cœur du métier de la logistique. Donc ça demande d'égalité, de rigueur, responsabilité, parce qu'il y a tout un aspect sécurité qu'il faut être capable de gérer. Quand on est en logistique, on va se préparer à un permis qu'on appelle le CACES et qui permet donc de conduire ce qu'on appelle les chariots élévateurs. Voilà, donc les jeunes travaillent avec l'AFT, donc c'est l'Association des transporteurs de France, et ils vont passer leur CACES 1 jusqu'au CACES 5 en terminale. Voilà, ça leur donne une attestation et avec ça, ils peuvent aller en entreprise et travailler. J'ai choisi cette section tout simplement parce que je trouve que c'est une section qui a énormément de débouchés et puis très facile pour trouver un stage. C'est pas compliqué comme certaines filières où, par exemple, on a un peu plus de mal. Ce qui me plaît dans cette section, c'est déjà c'est de résoudre en fait les problèmes. C'est de chercher, de se casser la tête. Dans quel genre? Dans
dans l'organisation d'un entrepôt. Voilà, exactement. Gérer des flux de marchandises et tout ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, on a beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'on peut, c'est une filière, si je puis dire, assez polyvalente. C'est-à-dire qu'on peut toucher à tout. C'est pas un métier où on fait tous les jours la même chose. Ça varie souvent et c'est vraiment une filière où on s'ennuie pas, quoi. Donc là, on a la section ST2S, donc sanitaire et social, qui propose un projet humanitaire avec le Sénégal, donc projet MATAM. Chaque année, on a une dizaine de jeunes qui partent travailler dans un orphelinat à MATAM, accompagnés de deux professeurs. Et pour financer leur projet, ils montent des tas d'actions. Voilà. Donc là, aujourd'hui, cette section accueille dans une garderie les enfants du personnel et des visiteurs. Donc on peut entrer, regarder. Voilà, donc là, c'est toutes les actions qui ont été mises en place par les deux professeurs qui sont là. Et puis l'association ADOS. Voilà, donc vous avez tout ce qui est sur la presse, qui est passé donc, dans le Dauphiné. Et la filière ST2S. Donc moi, je suis enseignante. Bonjour. Je suis enseignante en filière ST2S. Mais aujourd'hui, j'occupe cette salle pour présenter un bivouac qui se fait au lycée Mon Plaisir. Au lycée Mon Plaisir, en fait, on a un projet pédagogique qui est particulier, c'est ce fameux bebop. Et dans le cadre du bebop, on propose aux élèves de terminer plus tôt la journée, d'avoir une pause repas plus courte, mais à partir de 15h et ce jusqu'à 18h, de faire des ateliers qui sont la plupart du temps du soutien ou de l'approfondissement dans les matières. Nous ici, on propose autre chose, une ouverture, on les appelle les ados au lycée. Et cette ouverture, ici, elle se fait sur le monde, puisque c'est un bebop qui se fait auprès du Sénégal. Nous allons au Sénégal avec des jeunes et préparons ce chantier pendant un an et demi à partir de la classe de première jusque toute la classe de terminale pour partir au Sénégal après le bac, trois semaines. Pendant l'été. Et encadrer un centre aéré pour les enfants de 3 à 5 ans. C'est pour ça que vous entendez les enfants et qu'aujourd'hui on propose une garderie pour les enfants qui seraient mieux avec leurs parents et qui sont mieux ici que dans les salles et dans les couloirs. Et donc on propose un centre aéré en partenariat avec un CFP de la ville de Matam qui forme des jeunes qui ont les âges de nos jeunes français. Ils co-animent ensemble un centre aéré et on travaille avec les professionnels des écoles maternelles de Matam et la case des tout-petits pour proposer ce projet qui se fait cette année pour la 4e édition. Ils viennent vous voir aussi ? Alors non, mais c'est une excellente question parce que on se dit que le juste retour de ce projet, ça serait qu'un jour les jeunes du CFP puissent venir en France faire un centre aéré auprès de petits enfants français de 3 à 5 ans et qu'on puisse avoir cette chance-là aussi, ce retour-là. Et donc aujourd'hui, en fait, on est parce que je suis moi depuis que je suis rentrée dans ce projet, je suis aussi administratrice d'une association qui s'appelle ADOS, qui cette année fête ses 30 ans. Et donc on a des administrateurs et des professionnels d'ADOS qui sont là pour présenter aussi cette association qui ne fait pas qu'encadrer ce type de chantier, qui mène tout un tas d'actions, mais qui a été vraiment précieuse pour organiser tout le partenariat qu'on a au Sénégal. Voilà. Et qui est présente aussi au Sénégal. Il y a plusieurs volontaires. Et donc Émilie qui est là est professionnelle sur Valence. Et elle était à Matam la deuxième fois qu'on y est allé, elle était à Matam en tant que volontaire sur Matam. Donc ça rentre bien dans le projet de la classe ST2S. On a toujours une dizaine de jeunes qui se portent volontaires et qui mènent beaucoup d'actions pour financer leur billet d'avion. Parce que la difficulté, c'est de trouver les finances. De trouver l'argent. Donc voilà, ils ont plusieurs possibilités. Donc là, ils vendent par exemple des petits sacs, nourriture, etc. Voilà. On arrive au troisième étage. On a d'un côté les BTS tertiaires, donc assistant manager, assistant de gestion PME-PMI, et puis comptabilité, gestion des organisations. Et on a également, pour aujourd'hui, des représentants du centre de formation professionnelle. Donc on a un BTS en alternance MUC, management des unités commerciales, un BTS NRC, donc négociation relations clients, un BTS immobilier et un BTS transport et prestations logistiques. Donc en général, c'est une porte pour
les élèves qui arrivent du lycée professionnel pour poursuivre en BTS en alternance. Donc là, il faut des partenariats avec les entreprises pour pouvoir accueillir les jeunes alternants. S'il vous plaît, voilà Madame Lardier qui est responsable des BILATS pour Mistral TV. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le BILATS, c'est une certification de l'Université de Cambridge qui permet d'évaluer un niveau de compétence en langue, alors particulièrement en anglais au départ, mais aussi en allemand, en espagnol et en français langue étrangère. Donc on a un partenariat avec la préfecture. Pour faire passer les tests de naturalisation, effectivement, voilà. Pour les personnes qui souhaitent être citoyens français, doivent depuis à peu près 2 ans et demi aujourd'hui attester d'un niveau, on appelle B1, enfin niveau minimum en français pour pouvoir prétendre à la citoyenneté française. Donc oui, on en fait passer, je dois avoir reçu en un an plus de 300 personnes à peu près dans ce cadre. Donc voilà notre responsable des BTS et également adjointe de direction sur le lycée technologique. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire des BTS initiaux qui sont sur le plaisir? Ici, nous avons 6 classes, 3 classes de première année et 3 classes de deuxième année. Nous avons des étudiants qui se préparent pour le BTS Assistant Manager. Ce sont des futurs collaborateurs de dirigeants, plutôt des dirigeants d'entreprise et de structures à contexte international. Ensuite, nous avons une filière BTS Assistant Gestion PME-PMI. Ce sont plutôt des étudiants qui ensuite intégreront des structures valentinoises, locales, en tout cas plus petite taille. Et puis enfin, on a le BTS Comptabilité et Gestion qui vient juste d'être réformé. On va le remettre en place à la rentrée. Et là, on forme des jeunes qui seront les collaborateurs des experts comptables dans des cabinets comptables, dans des entreprises, dans les services comptabilité et financiers. Ça fait combien de BTS au total en fait, pour le lycée Mon Plaisir? Au total, alors en tertiaire, on a 6 BTS. Ensuite, en paramédical, on en a 3 et 3, 6 et 3, 9. Ensuite, on a 3 classes de DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion. C'est une licence. Et puis ensuite, on a 2 classes prépa, STMG. Ce sont des classes préparatoires qui permettent aux jeunes ensuite de passer des concours pour intégrer les écoles de management et de commerce. Pour exemple, on a des élèves qui font leur BTS comptabilité et gestion ici à Montplaisir et qui ensuite poursuivent sur cette fameuse licence dont je viens de vous parler, le diplôme de comptabilité et de gestion. Donc ils font 2 années supplémentaires puisqu'ils intègrent la 2e année du DCG. Ils finalisent leur 3e année et ensuite ils peuvent bien évidemment poursuivre sur un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion que nous sommes en train d'ouvrir justement pour la rentrée prochaine au centre de formation professionnelle. Donc en alternance. En alternance, voilà. Oui. D'accord, en fin d'entreprise et ici. Oui, voilà. Oui. L'alternance, c'est la particularité. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une présence en organisme de formation, donc centre de formation, et une présence en entreprise. Et le taux de réussite, si c'est pas indiscret. Le taux de réussite, en ce qui concerne nos BTS initiaux, nous sommes bien au-dessus des taux de réussite nationaux et académiques également. En ce qui concerne l'alternance, le taux est un petit peu moins élevé. Voilà. Certainement du fait que la présence en organisme de formation est un peu moins prégnante. Voilà. Donc les jeunes ont du travail personnel un peu plus important à fournir. Très bien, merci. Merci. Donc, section artistique, on en a une sur le lycée professionnel qui a ouvert donc à la rentrée 2014. C'est le bac professionnel communication visuelle plurimédia. Et puis, dans le lycée technologique, on a la section art appliqué. Voilà, donc on a rénové tout ce pôle communication et artistique et on va aller le visiter maintenant. Voilà. Voilà, donc on va entrer dans la salle. Voilà. Là, on est dans la salle de dessin qui est pour le bac pro AMA où les jeunes passent à peu près 7 à 8 heures par semaine sur des plages assez conséquentes pour pouvoir avoir le temps de se poser et de travailler. Voilà. Je vais vous présenter Madame Gentelet, donc qui intervient dans la section artisanat métier d'art comme visuel pour les médias. Voilà. Pour Mistral TV, qu'est-ce que tu peux dire de la section nouvelle qu'on vient d'ouvrir? Mais elle est formidable. Formidable. Mais je sais pas. Non, mais très très bien. On a des élèves qui sont extrêmement motivés. Donc ça, c'est très très bien. C'est très agréable de travailler avec eux. Après, on est fiers d'avoir pu monter cette section-là parce qu'elle s'adressait à des élèves qui n'ont pas forcément des gros niveaux scolaires, mais par contre qui sont créatifs et qui n'ont pas toujours leur place dans le système scolaire classique. Donc on est content d'avoir pu ouvrir cette section-là. Et apparemment, ceux qui sont là ont vraiment toute leur place. Et voilà, s'épanouissent dans ce travail-là. Oui, c'est pas dans ce travail de création, absolument.
Donc on est sur de la création de logos, de la création de campagnes de communication, ça peut être création d'un emballage de bouteilles, enfin, c'est très divers, mais aujourd'hui on ne s'en passe pas dans notre société moderne. Donc on a besoin de ces infographistes, de ces créateurs. Voilà, voilà, s'il te plaît. Donc monsieur Meffre, qui est notre enseignant pour toute la création infographique, voilà, qu'est-ce que tu peux dire de, du travail que tu mènes avec les jeunes aujourd'hui? On voit un petit peu là tout ce qui a été fait par eux depuis la rentrée. Donc dans cette salle, on travaille principalement sur les outils d'infographie. On va travailler beaucoup sur des projets de communication visuelle sur lesquels on est sollicité par le lycée, par l'extérieur, ou qu'on décide de proposer à nos élèves. On va chercher à répondre de manière la plus concrète et professionnelle à des demandes qui viennent de l'extérieur, parce que les attentes sont, elles, très concrètes. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de nous voir pour faire une affiche, un logo va avoir des attentes précises et va surtout vouloir une efficacité, que son support de com soit compris, soit bien vu. Donc on élabore tout ça. Donc le travail, on va peut-être avancer par là, se fait en commun. Il y a vraiment un gros travail collectif. Voilà. Donc on voit cet espace. Donc les jeunes font leurs propositions, échangent. Il y a vraiment du débat, comme si on était dans une entreprise de communication, une agence de com, où chacun va pouvoir débattre et puis avancer ses arguments, etc. Donc on les met dans une perspective professionnelle. Dans cette section également, ils ont, comme les autres en section pro, 22 semaines de stage. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de collaboration avec les entreprises dans le bassin romanais, valentinois et ardéchois. Voilà. Oui, parce que je vais vous demander justement, vous travaillez beaucoup avec les entreprises. Évidemment, on est obligé puisque ce sont nos lieux d'accueil. Donc on est vraiment très content que les jeunes soient accueillis. En général, ça se passe très bien. Les professeurs se rendent pendant les stages pour visiter le jeune, rencontrer le tuteur du jeune et puis évaluer sa prestation et son intégration dans le travail et avec les employés de l'entreprise. Voilà. Donc présentez-nous votre section, on peut dire. Ouais. On vous a rappliqué. Enseignant en art appliqué en première et terminale. La section accueille les élèves à partir de la seconde. Il s'agit de domaines concernant la communication visuelle, l'espace, l'objet, le stylisme, le textile. Donc c'est assez ouvert et les débouchés sont sur des BTS ensuite, dans ces domaines-là également, en supérieur, puis des DSA. Généralement, nos élèves font une poursuite d'études de 2 à 4, 5 ans après le bac pour avoir des postes de création dans le domaine du design, en fait, des arts appliqués. On est clairement dans le domaine des arts appliqués à l'industrie, on est clairement dans le domaine industriel. Donc ce sont des procédures de création que l'on enseigne de la seconde à la terminale à travers un programme d'enseignement très précis, un enseignement spécifique en seconde de 6 heures, de 13 heures en première et de 17 heures en terminale, les élèves développant leur projet personnel en terminale qui est un projet pour le bac de 75 heures. Ouais. Donc, le projet Train Bleu. Le projet Train Bleu. Alors vous pouvez voir donc quelques éléments de décor et de costumes concernant un ballet. Ce ballet étant géré par la chorégraphe Sylvie Chabert de l'école de danse de Valence. C'est un partenariat entre le lycée Mes Plaisirs et l'école de danse de Valence. Le conservatoire, tout à fait. Donc nous, les arts appliqués, avons été sollicités pour la création des costumes, des vêtements donc, de ce ballet qui a été créé initialement en 1920 par Nijinsky, il y a un certain nombre de grands noms, Coco Chanel, Picasso, Darius Milhaud pour la musique. Donc création pour nous donc des décors et costumes. Le bac pro AMA est chargé de la communication. Donc, ils ont fait l'affiche. Oui, ils ont fait l'affiche. Donc vous pourrez aller les voir un petit peu. On les a vus déjà. Vous les avez vus. Très bien. Voilà. Donc vous avez tout le processus de création que nous avons intégré donc au cours de seconde et de première. Concernant donc décor et costumes, ça a été intégré au cours et nous avons profité des modules Bebop qui existent donc au lycée Mon Plaisir, c'est-à-dire que tous les élèves sont libérés à 15h chaque après-midi, à peu près vers 15h, et peuvent participer à toutes sortes de disciplines proposées. Hein, si je veux en dire un peu on plus, en a parlé tout à l'heure sur le projet MATAM avec la ST2S. Donc la réalisation après la conception et la création a été effectuée sur la partie Bebop notamment.
Donc les élèves de seconde et de première, un certain nombre ont été très impliqués dans ce projet et voir tout le processus de création, donc à partir des maquettes d'intention, maquettes de principe, planches de recherche, et le cahier des charges était assez serré, et puis bon, on vient de finir, voilà. C'est un projet qui était un petit peu ambitieux pour nous et on a saisi la balle au bon, c'était intéressant. Les élèves sont beaucoup amusés, et, beaucoup de créativité, beaucoup de choses apprises je pense aussi, et beaucoup de chaleur humaine, voilà. De faire corps et de rendre compte aussi de l'esprit mon plaisir
qui est dans l'enseignement catholique. Et on a la chance d'avoir cette belle chapelle qui nous permet de l'écouter, parce que Montplaisir était l'ancien grand séminaire en fait de Valence. Et vous faites prochainement un concert hein? Alors le 17 octobre normalement pour la promulgation du nouveau projet que c'est un enseignement catholique, on a prévu de faire un concert aussi quelques temps après, au mois de novembre certainement, pour l'opération Orange, l'association qui promouvoit l'œuvre de Sœur Emmanuel 20 ans avec le relais de Sœur Sarah en Égypte. Voilà, on est partenaire de nombreuses années aussi de cette association. Mon dernier petit mot pour Mistral Premier, pour les spectateurs. Mon dernier petit mot. Ah bah, il ne faut pas avoir peur de chanter. On est dans une société qui est tellement dépressive que parfois, ça fait du bien de reprendre contact avec cette énergie, ce désir de louange et de chanter. Tout à fait. Célébrer la vie. Voilà. Belle parole. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Joshua, Jericho, Joshua.